en ce moment et nous vous sommes très très reconnaissants pour nous accueillir chez vous afin de vous présenter cette émission que vous préférez tant, intitulée Afrique et développement, analyse et discussion des idées. Aujourd'hui, nous avons un autre thème que nous vous apportons et avant d'en arriver là, je voudrais être très reconnaissant à un auditeur anonyme qui nous a envoyé un livre. Et il voulait qu'on puisse aussi discuter de ce livre comme nous parlons de l'Afrique. Vous savez qu'il y a des voix qui viennent de partout et les Africains aussi ne sont, les Africains ne sont pas en reste. Donc, il nous a envoyé un livre intitulé Afrotopia, écrit par Felwine Sahar. Nous allons y revenir avec un peu de détails. Et nous avons essayé de lire le livre et c'est de cela dont nous avons parlé aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, vous savez que l'Afrique, métaphoriquement, est comme un malade qui continue à garder son lit d'hôpital depuis des années parce que les prescriptions et les traitements médicaux s'avèrent inefficaces. La contradiction entre les ressources naturelles et minérales d'une part et la pauvreté abjecte de ces populations d'autre part est tout simplement absurde. Cependant, un fait est réel. L'Afrique se mettra debout grâce à ses fils et à ses filles qui, malheureusement, ne sont pas encore arrivés à cet objectif primordial. Peut-on alors responsabiliser l'échec ou la déficience actuelle à une tare congénitale? C'est une question à laquelle il faut répondre. Maintenant, des suggestions viennent de tous les horizons des experts, théoriciens et praticiens, pour voir comment guérir le malade et lui donner de l'espoir pour l'avenir. Dès 1960, qui est l'année pivot des indépendances des pays africains, la voix des scientifiques s'est élevée pour décrier une Afrique mal partie, une Afrique étranglée, un continent à la dérive, ou encore un monstre agonisant dont les derniers soubresauts annonçaient la fin prochaine. La présence de l'épidémie du sida sur le continent a fait que les autres commencent à penser de la fin de la vie sur le continent africain. Tout cela a jeté l'opprobre et le pessimisme sur l'avenir brillant escompté du continent. Et le livre que nous allons vous présenter aujourd'hui, Afrotopia, nous a inspiré un thème. Et le thème se trouve même dans le livre. C'est Penser Afrique. Penser Afrique. Et nous allons faire la première partie de ce livre aujourd'hui. Penser Afrique, c'est le thème. Et nous vous rappelons que ce livre a été écrit par Felwine Sahar et est paru, pardon, aux éditions Philippe Rey non pas en 1900, mais c'est Deux en 2016. C'est là où le livre est paru à ces éditions-là. Mais qui est cet auteur que nous appelons Felwine Sarr? Il est né en 1972 au Sénégal. Felwine Sarr est un écrivain et universitaire agrégé d'économie. Il enseigne à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Il a publié l'ouvrage Dadj, paru aux éditions Calimard en 2009, puis un autre ouvrage qu'il a intitulé 105 rue Carnot et un autre ouvrage qu'il a aussi intitulé Méditation africaine. Et ces ouvrages sont apparus aux éditions Mémoire d'Encrier en 2011 et en 2012. Maintenant, l'Afrique présente un tableau sombre. Mais face à ce tableau, Felwine a une position.
Et il dit, face à ce tableau, Fahmi Saad dit que cette façon de peindre le continent africain est vieille et remonte depuis la haute antiquité au temps de Pline l'Ancien. Il renchérit en disant que, au temps des explorateurs, l'Afrique était présentée comme un lieu où les gens vivaient dans une sauvagerie qui nécessitait une mission civilisatrice qui a très vite tourné en pillage, saccage de vie et de culture, génocide, viol, expérimentation scientifique, toutes les formes de violence y connurent tranquillement leur apogée. Aujourd'hui, dit Saad, suite aux certains indices du progrès en termes de croissance économique d'une part, et l'essoufflement de la Chine et dans les pays des BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Sud-Afrique, d'autre part, le langage a changé. Les économistes estiment que le futur serait désormais africain. L'Afrique sera la prochaine destination des capitaux internationaux parce qu'ils seront plus rémunérés que partout ailleurs. Bref, l'Afrique sera l'Eldorado du capitalisme mondial. C'est ce que notre confrère remarque. Cependant, M. Saar constate amèrement que la caractérisation historique du passé africain et la projection radieuse du continent sont des rêveries des autres, où les Africains n'étaient et ne sont même pas conviés du tout. Tout s'est fait à leur absence. Entre le passé chaotique et le futur radieux projeté, demeure un présent lacunaire et chaotique. Les crises que traverse le continent ne nous rassurent pas de quel ange ou de quel monstre va-t-il accoucher. À part le déficit d'image que nous avons en Afrique, il y a un déficit de pensée du futur produite par les filles et les fils du continent. Bref, il n'y a pas une téléonomie autonome et endogène. C'est pourquoi M. Saar appelle les Africains à s'écarter de l'euphorisme dont les épithètes dominants et les mots-clés sont développement, émergence économique, croissance, lutte contre la pauvreté, etc. Et le désespoir pour entreprendre un effort de réflexion critique sur soi, sur ses propres réalités et sur sa situation dans le monde. Il faut penser, il faut se représenter, il faut se projeter. C'est ce que dit M. Saar. C'est ce qu'il appelle Afrotopia, qui au fait est une utopie active qui se donne pour tâche de débusquer dans le réel africain de vastes espaces du possible et les féconder pour hâter la venue de l'Afrotopos, ce lieu autre de l'Afrique où nous devons aller. Donc, le livre se présente comme un rêve, un projet à la fois une feuille de route pour un futur africain radieux dans les politiques, l'économique, les symboliques, etc., où l'Afrique n'a personne à rattraper ni à marcher sur les sentiers battus par les autres. Voilà un peu ce que nous dégageons de ce livre brièvement. C'est vrai que nous allons y revenir encore avec d'autres chapitres, mais pour le moment, c'est ce que nous avons dégagé. Et nous disons grand merci à cet auditeur anonyme qui nous a envoyé ce livre pour qu'on puisse aussi discuter de ses idées. Et je ne suis pas seul sur le plateau, j'ai mon ami habituel, Alassane. Alassane, bonjour. Ah, bonjour. Alassane, vous m'avez suivi introduire ce livre et j'ai quelques questions à vous poser. Vous l'avez lu comme moi,
Mais ma première question que j'ai donnée même dans l'introduction est celle-ci. Peut-on attribuer les crises actuelles du continent à une tare congénitale? C'est-à-dire, l'échec et la médiocrité sont-ils inscrits dans notre sang en tant qu'Africains? Bon, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de cette crise, ou du moins de ces crises que traverse l'Afrique, que sur le plan socio-économique, politique. Bon, pour ce qui est de tare congénitale, bon, je dirais que, bon, on peut réinventer l'Afrique. On peut impulser une nouvelle dynamique à l'Afrique. Bon, le problème que l'Afrique a connu et qui est la cause même, bon, je dirais, bah, pas les causes lointaines, mais les causes proches de ces difficultés, c'est l'Afrique a hérité d'un système qui lui a été imposé Imposé par les par colonisateurs. le colonisateur. Bon, et ce système n'a pas tenu compte des réalités culturelles de l'Afrique. Bon, en fait, le problème, ce n'est pas d'accepter un système, mais comment s'accrocher au système pour que ça marche. Bon, il y a un aspect culturel qui est là, qui devait permettre aux Africains de pouvoir s'accrocher au système qui leur a été enseigné. Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est à ce niveau. Vraiment que bon, repenser l'Afrique doit venir. C'est de ce point précis-là que le fait de repenser de l'Afrique doit venir. Donc, si je vous comprends très bien, la situation que nous voyons en Afrique aujourd'hui montre que parfois, nous avons des difficultés à nous organiser. Et ceci, selon vous, n'est pas quelque chose de congénital. Nous pouvons toujours nous organiser, mais notre problème réel est que nous avons hérité un système que nous sommes appelés à animer et à pratiquer, mais un système qui n'a pas tenu compte de nos réalités africaines, de nos cultures, hein, de notre civilisation. Alors, c'est comme si on nous a déplacés d'un terrain qui est notre vers un autre terrain qui est étranger où nous devons jouer le jeu. Donc, ça devient un peu compliqué pour nous et cela nous trahit, ça montre que comme si nous sommes incapables de faire les choses. Donc, votre demande est que nous devons repenser l'Afrique, comme l'a dit Sarah aussi. Nous devons vraiment repenser l'Afrique. Bon, surtout voir cet aspect culturel-là. Comment faire de telle sorte qu'il y ait une cohabitation positive entre ce qui nous a été vendu et nos propres réalités. Donc, faire la symbiose. Bon, ça ne veut pas dire que tout ce que nous avions comme tradition, culture est mauvais, mais il y a des éléments positifs qui ont été utilisés dans le vieux temps pour pouvoir régler certains problèmes de l'Afrique. Mais ces éléments-là ont été ignorés dans le nouveau modèle que nous avons hérité du colonisateur. Bon, donc c'est ce qui pose réellement le problème. Mais bon, comme on aura l'occasion d'en parler, c'est en fait, il y a eu tellement de littérature sur cet aspect culturel-là, sur cet aspect de manque de gouvernance, tous ces problèmes que l'Afrique traverse. Il y a eu une littérature qui a parlé de ça. Maintenant, c'est l'application en fait. Bon, c'est sur ça on devait se baser. Sinon, le professeur Sarr a fait vraiment une bonne approche. Bon, pour ce qui est des problèmes que l'Afrique traverse, l'aspect culturel, bon, la méthodologie même, ou du moins le système même qui nous a été vendu, bon, ne reflétant pas les réalités de l'Afrique, c'est d'où, Notre difficulté. c'est de là-bas même que part les premières difficultés d'abord. Et c'est là où nous devons réfléchir et C'est penser l'Afrique. voilà, justement, mais bon, il y a eu tellement de. Maintenant, le volet application, bon, c'est ce côté-là qui reste à faire.
Peut-être cela m'inspire une autre question que je voudrais vous poser, Monsieur Alassane. La question est celle-ci. Lui, il parle de la Afrotopia, qui est un rêve qu'on doit réfléchir, on doit faire une critique de soi. On doit se représenter. On doit se projeter. Tout ça, ça demande une réflexion. C'est une réflexion. Maintenant, je sais que le milieu universitaire, c'est là où la réflexion généralement doit se passer pour aller dans la société. Mais le milieu universitaire aujourd'hui en Afrique est politisé. Alors, pensais-tu que cette réflexion est possible? Oui, pas seulement politisé. Bon, c'est politisé, ça c'est vrai, mais bon. Mais en fait, quand on voit l'Occident, il y a une collaboration entre le politique et puis l'université. C'est-à-dire, le politique émet une idée et puis maintenant, il donne cette idée aux universités. Bon, faire une étude de faisabilité, faire des recherches pour voir dans quelle mesure on peut mettre ces idées-là en pratique. Mais c'est cette collaboration entre université et politique qui manque en Afrique. C'est-à-dire, cette collaboration, c'est ce qu'on appelle relation publique. Bon, c'est-à-dire, il n'y a pas une bonne collaboration entre le milieu universitaire et puis nos autorités politiques dans le but de faire des recherches et résoudre certains problèmes qui se posent à notre société. Il n'y a pas cette collaboration-là. Donc, bon, c'est à ce niveau aussi. Et quand on réfléchit trop, on voit que, bon, à un certain moment, on se trouve bloqué au niveau de la gouvernance. Comment faire pour... S'il y a un petit changement, une certaine volonté politique de faire bouger les choses, bon, je pense que, bon, cette collaboration-là devait permettre de donner des solutions. Et puis maintenant, on va voir comment... appliquer ça sur le terrain. Il n'y a même pas cette collaboration-là. Bon, il y a des universités qui en ont parlé, ils ont fait des recherches comme l'auteur en question l'a fait. Mais bon, est-ce que les hommes politiques en tiennent compte? C'est là la question. C'est là la question et je pense qu'il faut y répondre. Parce que c'est là où même personnellement je trouve aussi le problème. Vous avez dit que il y a beaucoup de gens qui ont produit une littérature abondante sur comment faire le développement en Afrique. Et la littérature est abondante, comme on venait de le dire tout à l'heure. Et ce que M. Sarr a fait, c'est vraiment une critique sans complaisance de ce que le continent africain est pour le moment et ce que nous devons faire pour atteindre le développement. Donc, il nous appelle à nous écarter des sentiers battus. Et puis, il dit que nous n'avons pas de gens à rattraper. C'est-à-dire, nous devons marcher contre le courant, en d'autre sorte. Est-ce que c'est possible? Qui doit faire cette réflexion? Parce que lui, il l'a fait en tant qu'universitaire. Peut-être c'est le seul que nous connaissons, mais l'application, comment on peut arriver à faire ça? Bon, avant d'y arriver à ça, bon, essayons de voir d'abord l'approche qu'il a émise, l'approche qu'il a donnée. Bon, il a parlé de ces indicateurs-là, indicateurs économiques qu'on utilise pour mesurer le progrès économique de nos sociétés. Bon, c'est comme on le dit, c'est des éléments qui nous ont été imposés et ça ne tient pas compte de certaines de nos réalités. Bon, quand on parle de l'aspect social que nous vivons en Afrique, l'aspect social, bon, qui n'est pas... L'Occident, c'est la recherche effrénée du gain. Bon, alors qu'en Afrique, on a une certaine solidarité familiale, relationnelle, qu'on essaie d'entretenir. Et de marcher ensemble. Voilà. Ce n'est pas question de l'individu, mais c'est une question de communauté. Voilà. Et ces aspects de notre société-là ne sont pas, en fait, quantifiés dans les différents indicateurs qu'on nous donne. Bon, en fait, ça, c'est un élément positif aussi dans notre société. Bon, donc, c'est pour dire que
Déjà, au niveau des concepts, même, il y a un problème qu'on nous a imposé. Voilà. Donc, pour revenir à la question maintenant, vous dites qui va aider à mettre ça en pratique? C'est là où se trouve tout le problème. Qui va aider à mettre ces idées-là en pratique? En fait, normalement, nos autorités politiques devaient avoir ce sens-là, ce sentiment-là de faire bouger les lignes. Mais à ce niveau, on trouve qu'il y a vraiment un problème. Bon, ce que moi je peux dire terre à terre. Bon, au niveau de la cellule familiale même, il y a certains éléments de base qui ont été faussés. Il faut d'abord même que, bon, si, et il peut avoir, on peut essayer de revoir même l'éducation au sein de la famille, de la cellule familiale, bon, où on parle de notion de bien commun. Si les enfants, là, au niveau de la famille, même on arrive à inculquer ces petites notions même aux enfants d'abord, dans leur éducation, c'est déjà un élément de plus. Bon, au niveau de l'école, l'école devait appuyer le reste, mais on se rend compte qu'à ce niveau, nos gouvernements ne font rien. Donc, moi, je pense d'ores et déjà qu'au niveau de la cellule familiale, on peut essayer de faire quelque chose dans l'éducation des enfants, certains éléments positifs qui ont été utilisés dans le passé et qui a quand même produit ses effets au sein de pour la cohésion sociale, bon, tout et tout. On peut essayer de revoir ces éléments-là puis les introduire dans l'éducation familiale. Bon, Bon, vous parlez de l'éducation au niveau familial. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais ma difficulté est celle-ci. Vous pouvez éduquer l'enfant en famille, mais cet enfant finira par aller à l'école du blanc. Bon, et c'est cette école, des fois, qui dénature l'enfant de sa famille. Bon, alors, cet enfant aura une autre éducation à l'école, peut-être qui sera en conflit avec l'éducation reçue en famille. Et je ne vois pas avec ça comment, à la longue, cet enfant peut arriver à pratiquer. Parce que tous les systèmes, comme vous le dites, c'est un système imposé par les Blancs. Un système qui ne prend pas en compte nos réalités africaines. Et c'est pourquoi même les indices les indices qu'ils nous ont donnés pour mesurer Le progrès. le progrès n'arrivent pas à capter certaines réalités que nous vivons et qui sont des bonnes réalités. Parce que nous avons les sens différents de la vie. Nous avons un sens différent de progrès. Maintenant, ces enfants, comment ils vont le faire? Ouais, bon, voilà pourquoi j'ai toujours dit dans les émissions passées que bon, tout ce que nous pouvons, une autre chose aussi que nous pouvons faire, c'est de critiquer. Bon, parce qu'on voit qu'au niveau de la gouvernance, il y a vraiment il y a ce manque de volonté politique là pour faire bouger les lignes. Bon, tout ce que toute personne qui peut aider à éclairer est tenu vraiment de critiquer. Moi, je pense qu'au fur et à mesure qu'on critique, on va se rendre compte que, bon, à un certain moment, il y aura une certaine prise de conscience qui va faire que, bon, les autorités, ça va prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Mais il ne faut pas qu'on soit afro-pessimiste comme on le dit, quoi. Chaque fois, il faut que, bon, quand on voit. On regarde la direction où vont les choses. Si ça part dans une mauvaise direction, on essaie de critiquer et de donner des solutions. Ce n'est pas critiquer pour critiquer, mais à chaque fois que tu critiques, tu donnes des solutions. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Donc, niveau de la cellule familiale, on doit vraiment commencer l'éducation là-bas et l'école va prendre la relève. Bon, ça, il faut qu'on le dise chaque fois à nos autorités. Inculquer aux enfants notion de bien commun, notion de faire du bien, et un bien qui peut profiter à sa communauté. Bon,
On ressent une certaine joie, un certain sentiment de fierté quand on se rend compte qu'on a posé un acte qui impacte positivement sur la vie des autres. Et chaque fois, c'est des notions qu'il faut chaque fois émettre. Donc, il y a lieu Oui. de contourner les difficultés actuelles. Parce que nous savons que si nous avons les problèmes au niveau de la pratique, Oui. c'est parce que le politique n'a Oui. pas cette volonté. Oui. Et le manque de cette volonté est dû aux intérêts personnels. Oui. Ça, c'est un. De deux, il est aussi dû au fait que les faiseurs des lois, hein, Oui. ceux-là qui placent les leaders africains, Oui. ne veulent pas notre émancipation. Oui. Parce que si nous émancipons, Oui. ils ont des problèmes Oui. quelque part. Oui. Alors, comme ça, ils veulent nous maintenir dans cette situation. Oui. Et vous dites, on peut trouver un moyen de contourner ça. Ce n'est pas quelque chose qui peut survenir demain Oui. ou après-demain, mais Oui. quand même, nous devons commencer quelque part. C'est Ouais. en famille. C'est un long Un processus. long processus où nous devons commencer en famille. Et dénoncer, toujours dénoncer. Et Oui. même quand les enfants vont à l'école, nous les inculquons quelque chose. Voilà. Peut-être dans l'avenir, Oui. ça va Bon, changer. il y aura une prise de Il y aura conscience, une mais prise de il faut qu'on conscience. le fasse sans relâche. Il faut qu'on le fasse sans Bon, on ne relâche. va pas aller prendre des armes pour dire on Toujours va faire commettre. ceci. Non, non. Il faut chaque fois il faut qu'on le dise à chaque fois. Bon, et je me réjouis maintenant que bon, les réseaux sociaux ont pris quand même un peu de l'ampleur. Donc, ça veut dire on peut se permettre quand même d'avoir beaucoup plus d'auditeurs maintenant compte tenu de ces réseaux sociaux-là. Et ce n'est pas comme dans le vieux temps où on était seulement limité à la télé, la radio, bon, qui ne couvrait pas quand même une grande distance. Maintenant, avec Mais les aujourd'hui, réseaux avec la sociaux, technologie, voilà, on peut pénétrer partout. on peut faire entendre nos voix partout. Et chaque fois, il faut critiquer, proposer des solutions. À un certain moment, on sait qu'il y aura une prise De de conscience. conscience. On dit, voilà, j'ai telle vision. Et voilà ce que ça peut produire. Et bon, et ou bien nos leaders, ils font ça. Bon, mais en lieu et place, ils pouvaient faire ceci. Et voilà l'impact que ça peut produire sur la société, le bien-être de la société. Et Donc, c'est des trucs qu'on doit est-ce que chercher. c'est cela qu'il appelle peut-être nager à contre-courant, Oui. Bon, donc contre la marée? voilà, c'est ça. Il parle d'une utopie. Une utopie, et à travers cette utopie-là, on doit essayer de trouver un espace où quand même le possible va se produire et puis on va féconder en même temps ces possibilités. Donc, il parle d'une utopie active. Une utopie Ce n'est pas active. tout simplement rêver, Oui. mais il faut passer aussi à l'action. Oui, c'est ça. OK. Donc, c'est bien passé. Et je voudrais rappeler à nos auditeurs que le livre est intéressant et vous pouvez vous le procurer si vous voulez et le lire en entier. Parce que, comme je le disais dans l'introduction, c'est une critique, mais à la fois aussi une feuille de route. Parce Oui, qu'il va nous parler de l'économie, comment on peut organiser l'économie, comment on peut organiser notre propre modernité. Mais aussi, je trouve un problème quand il dit que nous ne devons pas prendre les sentiers battus. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Bon, en fait, sentier battu, bon, si je comprends bien, c'est pour dire que, bon, si je comprends bien, c'est pour dire qu'on doit essayer de définir une feuille de route qui est propre à À nous, nous. qui tient compte de nos réalités. Et cette feuille de route-là, on doit savoir d'où on vient, où on veut aller. Et comment faire pour y parvenir? C'est bon, là même où il a parlé de téléonomie, téléologie, bon, c'est pour quand même nous dire que, bon, en tant qu'Africain, compte tenu de nos réalités, on doit savoir d'où on part, point A, et d'où on veut arriver, point B, et quelles sont les étapes intermédiaires. Bon, tout ça, c'est à nous de définir ça. Là, vous touchez à un point très important,
Et souvent, on se demande, nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce que nous voulons, comment on peut façonner notre avenir. Il paraît que dans beaucoup de cas, on ne sait pas se déterminer ou projeter l'avenir que nous voulons. Oui. On ne sait pas dire que dans 10 ans, 20 ans, 40 ans, un siècle, nous voulons que le continent soit, se représente de cette manière Oui. pour qu'on commence à y travailler. Oui. C'est comme si nous sommes à la merci Oui. des autres, Oui. comme si nous, on n'avait pas de choix à opérer Oui. pour nous tailler un destin meilleur. Oui. Nous subissons le coup au lieu même de participer à façonner une nouvelle Afrique. Oui. Et là, ça devient très dangereux. Oui. Et je pense que nos intellectuels, Oui. qui sont supposés guider la masse, doivent beaucoup réfléchir de ceci, Oui. faire un choix et donner des lignes de conduite pour que les gens commencent à travailler. Voilà, je peux prendre rapidement un exemple. Quand on revoit dans la société ancienne, bon, dans les villages, bon, et les familles cultivent, les gens cultivent le champ collectif, la famille cultive le champ collectif. Et le soir, chacun part dans son propre champ. Mais quand même, on y trouvait un sens, c'est-à-dire, chacun s'y retrouve dans cette C'est collectivité-là. ça. Mais quand on essaie de voir dans le monde moderne, le système économique, on se regroupait, les gens se regroupaient en Afrique et puis entreprendre une affaire, un projet Pour économique l'intérêt pour commun. l'intérêt commun. On voit qu'à ce niveau, la collaboration est difficile. Mais comment se fait-il que, quels sont les éléments de notre culture qui nous ont permis qu'on a utilisé pour cultiver, de rester ensemble pour cultiver le champ commun. Bon, quels sont ces éléments-là que l'on peut utiliser le système moderne bon, pour pouvoir rester ensemble et puis développer notre projet ensemble? Parce que c'est en se regroupant que l'on peut faire quelque chose de grand. Bon, par exemple, si plusieurs personnes y mettent des ressources ensemble pour entreprendre une activité économique, seulement ils ont eu un gros capital. Bon, et en même temps, avec les idées communes, ils peuvent réaliser quelque chose de grand, donner plus de l'emploi à la jeunesse. Donc, mais qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser ces éléments-là que l'on utilisait dans le temps pour nous regrouper et transposer ces mêmes éléments dans le circuit moderne? Donc ça entre dans le cadre de Oui. penser l'Afrique. L'Afrique, oui. Penser l'Afrique. Oui. Et avec cela, je dois dire que les intellectuels ont vraiment de la matière sur la table. Ils doivent travailler avec acharnement pour nous tracer de nouvelles lignes. Pour prendre l'expression de Fellwin, pour dire que nous ne devons pas marcher sur les sentiers battus. Nous devons créer notre propre chemin. Et ici, je me souviens du président Mobutu qui disait que même s'il faut tailler le chemin dans le roc, nous le taillerons. Et moi, je pense que les Africains doivent aussi se donner un tel idéal pour que l'Afrique change et se présente avec une nouvelle physionomie que celle que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est cela que Falloune nous exhorte à faire en tant qu'Africains et il appelle à d'autres intellectuels africains de s'investir dans cette entreprise parce que ce n'est pas du tout une chose facile. Ça demande l'abnégation, ça demande l'intelligence, des critiques sans complaisance pour qu'on arrive à de tels projets de société. Et aussi de l'autre côté, parce que son projet, lui, et sa feuille de route n'épargne rien. Il y a même les politiques, il y a même les symboliques. On parle de l'art et de tout ça. Il faut passer tout cela au peigne fin pour débusquer, comme il a dit, ces éléments importants, hein, pour le féconder et donner un meilleur avenir. Donc, c'est une tâche qui est devant les intellectuels africains et nous espérons qu'ils prendront le temps. Ils prendront le temps pour se tailler un chemin
approprié Oui. pour développer l'Afrique. Oui. Et je sais que bon, dans les débats à venir, on aura bon, l'occasion d'en parler parce que quand on prend l'exemple de ces dragons d'Asie, bon, comment ils y sont arrivés? Bon, en fait, ils ont su rattraper l'Occident sur le plan technologique, le plan économique et autres. Mais en fait, il y a cet aspect de leur propre culture là qu'ils n'ont pas abandonné. Donc, ils l'ont incorporé dans le circuit économique et ça leur a permis d'avancer et puis atteindre leurs objectifs. Et c'est ce qui manque réellement à l'Afrique. C'est du copier-coller comme on le dit. Bon, alors que ces pays asiatiques ont conservé, bon, ils y ont mis une dose de leur aspect culturel Culturel. dans le système économique et puis ça leur a permis d'avancer Et pour je être pense progrès. qu'il n'y a personne au monde qui s'est développé par les copier-coller. Il n'y en a pas. Il faut réfléchir. Réfléchir, bon, faut voir comment bon le système peut être enfin mis en pratique, c'est le plus important quoi. Parce que copier-coller, parfois, vous pouvez vous fabriquer un costume qui n'est pas à votre taille, à votre mesure. Donc, chers auditeurs, voilà le thème que nous avions aujourd'hui, Penser Afrique, qui a été inspiré par les livres de notre frère Felwine Sahar, et le livre intitulé Afrotopia. C'est toute une philosophie qui invite les Africains à faire une critique de soi, à trouver une nouvelle façon de se représenter, à se projeter. Voilà le livre autour duquel nous avons parlé et je pense que nous viendrons avec beaucoup de détails aussi dans d'autres chapitres de ce livre. Donc, merci pour nous avoir reçus chez vous cet après-midi ou ce soir, selon les endroits où vous vous trouvez, et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.